accueille Zara White. Tu te rends compte de l'effet que tu leur fais? Bah c'est moi sur les vêtements. C'est les deux. Enfin, les vêtements, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc comme il n'y a pas beaucoup de vêtements, je pense que c'est plutôt toi. Ah merci quand même. Ouais. Tu figurais des tatouages cachés? Non, j'ai pas de tatouage. T'as rien de... T'as juste ce petit truc-là. C'est très joli. C'est très joli. C'est à moitié, vraiment. Ouais, non, c'est bien. C'est pas un faux, c'est un vrai. Non, c'est un vrai. Bien sûr. Tu veux toucher? Non, non. Là, si je commence à toucher, on n'en finira pas. C'est dans la très chic banlieue parisienne de Rambouillet que tout le monde en a parlé à retrouver Zara White. Bienvenue chez moi. L'ancienne actrice porno nous emmène directement dans une chambre, celle de ses enfants, qui fait également office de bureau. Et voilà mon petit bureau. C'est d'ici que Zara anime ses quatre blogs. Il y en a un qui parle, qui s'appelle La vie de Phoenix, où je parle des SDF. Il y en a un qui parle plus, qui est plus personnel, mais qui parle toujours de végétarisme, des animaux, des trucs drôles, de politique, tout ce qui me passe par la tête. Il y en a un autre qui s'appelle Arrêtez de monter toujours les mêmes, dans lequel je déclare que dans les médias, côté politique, on voit toujours les mêmes têtes. Quand elle quitte son écran, Zara aime prendre l'air en compagnie de son chien Shiva, direction le parc voisin. Ici, presque incognito, elle se fait appeler Esther Spencer et a choisi de vivre près de la nature. Quand tu es sur Paris et tu as la vie, le métro, le bus et le stress de la ville et les gens qui te font la gueule et tout ça. Et tu arrives ici et tu vois ça, mais t'es bien, quoi. Mais c'est à Paris qu'Esther est attendue cet après-midi. Avant le départ, dernier conseil d'une mère à son fils adoré. Ciao. Salut. Sois sage. Toi aussi. Moi, je suis toujours sage. À Paris, les nouveaux bureaux d'Esther se trouvent près de la gare de Lyon. Voilà mon lieu de travail. L'actrice porno s'est reconvertie en femme politique. Elle embrasse désormais les idées de l'Alliance écologiste indépendante. Bon, l'antenne locale ne déborde pas d'activité, mais on y retrouve Jean-Marc, le coprésident du parti. Quant à Esther, elle tient le poste de secrétaire nationale. Jean-Marc, je l'ai rencontré en 2007, quand j'avais commencé à avoir l'idée d'utiliser mon nom d'artiste qui ne me servait à moi absolument à rien. Et coup de chance, je ne sais plus pourquoi, mais Jean-Marc, il m'appelle pour une raison qui n'avait rien à voir avec le politique. Il trouvait que la dynamique était exactement ce que j'aimais, le fait de d'être ni de droite ni de la gauche. Contre eux, en fin de compte, mais carrément englobant tout. Ça m'a parlé beaucoup et du coup, me voilà. Esther profite de sa pause déjeuner pour faire quelques courses au marché, carottes bio évidemment, et ça n'est pas encore pour ses idées qu'on la reconnaît. Esther Spencer. Yes. Voilà. Enchantée. Dorénavant, Esther ne rêve plus de cuir, comme autant de ses films, mais de bio. Voici mon resto végétarien préféré. C'est quelqu'un que je sens vraiment très transparent, très honnête. Et pour moi, c'est vraiment des qualités premières pour se présenter dans ce genre de mouvement. Voilà. Bon, maintenant, on a réunion à Nice. Donc, comme on est à côté de la gare de Lyon, on y va. Allez, au travail. À bientôt. Ce soir, il y a congrès. Les valises sont faites. Esther, la pro du porno, rêve de devenir une politicienne de choc. Et maintenant, la lumière se rallume sur Zara White. Zara, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci, ça me fait un super plaisir. Moi aussi. Temps. Alors, vous êtes née le 8 novembre 1968 à Rotterdam, aux Pays-Bas, sous le nom de Esther Kooijman. Kooijman. Pas déconner. Ça fait un peu bizarre en français. Faut pas déconner. Alors, votre père était vendeur d'espaces publicitaires dans les magazines. Votre mère commence par élever quatre enfants. Ensuite, elle est serveuse et elle monte une agence de charme. Vous dites, il faut comprendre que dans mon pays, le sexe est un business comme un autre. Oui. Ben, en fait, en Hollande, du travail des sexes, on trouve même dans les agences intérim. C'est un travail, quoi. Alors, dans les années 70, vous êtes une petite fille qui rêve de strass et de paillettes. Vous vous imaginez sur grand écran en Technicolor. C'est vrai que la vie autour de vous est assez grise, j'imagine, à Rotterdam.
Bah oui, j'habitais dans un petit village, un petit monde, ouais. Voilà quoi, ouais. Alors, vous faites vos débuts dans le show business en 1980. Il y a une pièce qui est montée à l'école et vous avez le premier rôle, donc c'est le début. Finalement. Oui, ouais. C'était quoi cette pièce? J'étais une guide qui amenait les enfants visiter la France, donc il y avait des chansons en français, tandis qu'on ne comprenait pas un mot. Hein. Ouais. Et à un moment, j'ai joué le rôle de Madame de Pompadour. Ah. Et voilà, ouais, c'était ça. Déjà une prédestination. Alors vous êtes paralysé par le trac, mais vous faites face, hein, vous jouez la pièce, quoi, déjà extrêmement volontariste. En 1982, c'est le drame, votre père perd son job et le foyer est déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, quand il perd son job, bien sûr, il n'y a plus d'argent. Donc quand il n'y a plus d'argent, la maison elle est vendue par la banque, je pense. J'étais tellement petite que moi, je ne me suis pas rendue compte. Hein, je l'ai su, ouais, qu'après. Donc ensuite, il y a toutes les gens du village qui viennent visiter la maison, ouvrir les, ouais, tiroirs, ouais, et voilà. Ouais. Donc on est vite allé vivre dans un autre village où on a trouvé une autre maison et on a reconstruit à nouveau. Ouais. Mmh. Alors en 1987, vous quittez l'école et la maison. Vous tentez de vivre en couple avec un amoureux. Mais en fait, ça ne se passe pas bien. Vous préférez être indépendante, quoi. Oui, bah, le mec est un peu zarbi aussi. Hein. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de l'amour. Ouais. Il m'humiliait tout le temps. Ouais. Voilà, c'était le mec style... On invitait des copains à 4h du matin, il allait laver les vitres parce qu'il y avait des gens qui avaient fumé. Non, mais... Ah ouais, c'est un bizarre. Voilà, donc je me sentais très très triste et très seule, donc je préférais vivre et seule. Voilà. Ouais. Alors vous commencez à cette époque à poser pour un photographe. Vous commencez à faire des photos un petit peu sexy. Et puis c'est vrai que les Hollandais ont une attitude très décontractée par rapport au sexe. Vous dites c'est un peu comme la gymnastique, quoi. Il faut voir que la Hollande, en fait, ça c'est double. Hein. Il y a la partie très très protestant où absolument le sexe c'est pas assez sale, c'est, ouais, pas le bon truc. Ouais. Et puis il y a la Hollande très tu fais ce que tu veux tant que tu m'emmerdes, voilà, pas, ça va, quoi. Voilà. Alors effectivement, cette espèce de décontraction vous permet de travailler dans une maison close comme prostituée dès l'âge de 19 ans, mm-hmm, en 1988. Ça vous pose pas de problème? Ben, bizarrement, j'étais super à l'aise. C'est très bizarre. Ouais. Je sais que la première expérience que j'ai eue, je suis montée, on était avec plusieurs filles, et j'étais, ah, c'est que ça, c'est, ouais, facile. Et c'est vrai que votre père vous accompagnait en voiture parce qu'il avait peur que les chauffeurs de taxi vous sautent dessus, donc vous alliez au bordel accompagné par papa, quoi. Ben, en fait, comme j'habitais dans un tout petit village très éloigné, il fallait que je prenne des taxis. Et le chauffeur de taxi, quand il sait ce qu'on fait comme métier, donc où il va m'amener, ouais, ils essayent d'en profiter, ouais, ils deviennent insultants. Et mon papa, par geste d'amour, parce, ouais, que je m'imagine que ça devait être bien très, sûr, très difficile, il a dit, bon, ça va être moi alors qu'il t'amène, au moins je suis sûre que tu y arrives en sécurité. C'est formidable. Ouais. Et l'endroit où vous travaillez s'appelle le White. Oui. Ce qui sera finalement votre nom de star, quoi, oui, votre nom de scène, voilà. Alors, en 1989, vous déménagez en Italie, vous devenez la maîtresse d'un comte italien. Oui. Et alors, il était comment, ce comte? Oui, Zarbi aussi. Ah oui, vous tombez toujours sur des Zarbi, ou? Oui, je sais pas, je les attire. Ouais. En fait, je devais faire des photos. Je faisais un spectacle pour la télé à Milan. Vous étiez potiche pour la télé, en fait. Ouais, c'était un peu la potiche, quoi, voilà. Et ensuite, on avait 2 semaines de tournage et 2 semaines de libre. Donc, tant qu'à profiter, travailler pendant les 2 semaines de libre. Donc, on m'a envoyé à Rome pour faire des photos. Et, ouais, ça se passait dans le château de ce comte-là. Voilà. Et que, bien sûr, quelqu'un qui est gentil, qui me fait un gros sourire, ben, moi, je tombe amoureuse, quoi. Donc, je suis restée chez le comte pendant un moment. Ouais. Et voilà. Alors, c'est une époque, vous dites, je vis sans savoir de quoi demain sera fait. Et je ne m'étonne pas de me retrouver à Los Angeles pour un shooting photo qui va transformer ma vie. Là, vous commencez, à cette époque, à Los Angeles, à tourner des films X. Mm. Vous dites, j'étais payé pour vivre mes fantasmes. Ben oui, parce que bon, j'avais 19 ans et il y avait plein de trucs qu'on n'ose pas faire, mais sous la couverture que c'était pas moi, mais le rôle qui jouait ce fantasme-là, ouais, j'ai découvert un peu ma propre sexualité à travers ça. Je n'ai jamais fait ce que je voulais pas faire, donc je choisissais mes partenaires, mes positions et machin. Je gagnais bien ma vie, je m'éclatais, quoi. J'étais jeune, oui, et folle, et voilà. Je m'amusais comme une folle, ouais. Ouais, j'étais jeune. Ouais. Alors là, entre 1990 et 1992, vous allez tourner 27 films qui vont vous rendre mondialement célèbre, parce que votre célébrité, elle n'est pas seulement européenne, elle est américaine. Mmh. Finalement, en 54 jours de tournage, vous allez bâtir 20 ans de notoriété, quoi. C'est bizarre, hein? Ouais. T'imagines combien de gens, ils regardent ces films?
Mais c'est fou. C'est hallucinant. Tout le monde vous connaît, oui. Mais le truc le plus stupide, c'est que je suis devenue connue au moment que j'avais arrêté. Parce qu'en fait, ma carrière était très, très courte. Très, très courte. Même pas 2 ans, quoi. Ouais. Et un moment, j'arrête. Et du coup, c'était surtout en France. C'était « Ah, ouais, t'as la télé. » Les filles du X commençaient à avoir un nom. Ouais. C'est comme les top mannequins. À un moment, on ne les connaissait pas par nom. Voilà. Alors là, vous remportez les AVN Awards à Las Vegas, le Outdoor à Cannes en 92 pour Rêve de cuir, qui est un film... C'est le meilleur. Tu l'as vu? Ah ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Et ensuite, Outdoor d'honneur en 1994. C'est quand même une consécration dans le métier. Ouais. Bon, vous êtes une star à ce moment-là. Et ça a été rapide comme célébrité. Donc, 2 ans de travail et une célébrité éternelle. Bah, le truc le plus bizarre est que je ne l'ai pas fait pour devenir connue. Pas du tout. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait devenir connue en étant fait des films. Quoi. Donc, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Ouais. Ce qui fait aussi que je n'en suis pas devenue riche du tout, parce que comme j'étais devenue connue qu'après, et les plateaux télé et tout ça, ça ne paye pas. Donc je vivais vraiment avec un minimum syndical, mais j'étais contente, quoi, je m'amusais. Quelles ont été les réactions de votre entourage, vos parents par exemple, quand vous avez commencé à être célèbre? Au départ, quand je commençais à faire des films, je disais à Hollywood, je faisais des films... On ne pense pas tout de suite à ce genre de film-là, mais mes parents me connaissant, ils savent qu'en tout cas, je fais ce que je veux, donc voilà. Donc, je les ai fait venir aux États-Unis pour voir ce que j'ai fait et que c'était un milieu qui n'est pas comme le milieu de maintenant, mais à cette époque-là, c'était assez bien, quoi. Et ils ont accepté, voilà. Ouais. Je crois que mes sœurs, pendant un petit moment, ils l'ont mal vécu parce qu'elles étaient encore à l'école. Et j'ai toujours évité un peu faire des émissions de télé en Hollande. Mais bon, quelquefois, je suis quand même passée. Ce qui fait qu'à l'école, pour elles, ça a été un peu dur. Mais ensuite, je sais bien. Et vos amis, comment ils ont réagi? Ce sont mes amis, donc mes amis, même comme je suis. Et voilà. Voilà. Avec les médias, comment ça s'est passé? Parce que vous avez été quand même l'une des actrices les plus médiatisées des années 90-2000. Les relations avec les médias, c'était bien. Les gens m'invitaient et comme moi, ça m'amuse de passer devant une caméra, voilà, je m'éclatais. Ça ne m'a pas apporté du travail ou autre chose, ça m'a apporté une notoriété qui, en fin de compte, ne me servait pas vraiment, quoi. Ouais. Mais ça m'amusait. Ouais. Voilà. Vous n'avez jamais eu de problème avec les médias? Avec les médias même, non. Bon, tu peux avoir un journaliste quand tu fais, par exemple, une fois, j'avais dit que, comme j'ai toujours aimé les animaux, que je comptais faire un calendrier avec des animaux. Et donc, le journaliste a écrit que j'allais faire un truc zoophile, quoi. Ouais, ouais. Donc, effectivement, il y a des cours partout, mais bon, faut faire avec. C'est pas si grave. Ouais. Sur le plan financier, vous touchiez 1 250 $ de cachet pour tourner les films. Et après, les producteurs se sont fait de l'argent pendant des années avec ça. Ils en sont toujours, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Moi, non. Ouais. Non, non, non. Question amour, vous avez rencontré l'amour à cette époque? Tu sais, souvent, on se dit c'est l'amour et puis après, ça se finit. Et c'était, et oui, j'ai tombé amoureuse, j'ai eu quelques relations de longtemps quand même. Donc oui, bien sûr. C'est pas l'amour comme je le connais maintenant, mais bien sûr, oui. En fait, il faudra attendre 1999 pour que vous vous mariez. Mm. Vous avez jamais eu envie avant? C'était contre le mariage, en fait. J'aimais pas trop les contrats. Oui. Et apparemment, là, j'étais assez mûre pour que, oui, je voulais. Et comme je voulais aussi des enfants, quoi, auparavant, je ne voulais jamais pas non plus. Je pense que oui, là, j'étais venue pour « to settle down ». Comment tu dis ça? S'installer. Merci, c'est ça. Et votre mari, le fait que vous ayez été une actrice porno, ça ne le dérangeait pas? Non, 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 non. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à cette époque, mon mari travaillait dans le basket. Et était préparateur physique de PSG de l'époque. Et quand je venais voir les matchs, dans les vestiaires, c'était « Oh, t'as vu, Zaha White, Zaha White !» Et je sortais déjà avec lui, mais il ne disait rien. Donc, il s'éclatait dans les vestiaires. Mais sinon, non, 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 ça ne l'a pas gêné. Il me met, moi, pour qui je suis, quoi. Vous avez fait 2 enfants avec lui. Ça vous a fait du bien? Ah, ça change une vie. Ah. Franchement, ça m'a calmé, ça m'a apaisé, ça m'a donné... Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Ouais. Oui. Ouais, vous avez l'air cool. Quel était le meilleur moment de toute cette époque, Zaha? Mais tu sais ce que j'aimais bien, moi, c'était quand je voyageais beaucoup et que je voyais des endroits que d'habitude j'aurais pas, peut-être pas vus et que je pouvais inviter ou ma maman ou mon papa à venir partager ces moments avec moi. Bien, ça, j'ai adoré ça. C'est génial. Ouais, ouais. Et le pire moment, c'était quoi? Je pense que le pire moment, c'est la drogue. Vous avez pris de la cocaïne? Beaucoup?
par période, oui. Mais quand on était dedans, oui, on n'arrête pas après une ligne, quoi. On s'en prend juste une ce soir, oui, c'est ça. Et puis après, on est parti, quoi. Ouais. Moi, comme je ne bois pas l'alcool avec, voilà, quoi. C'est ça a duré combien de temps, cette époque? Il y a des périodes où je faisais énormément, donc ça pouvait être tous les jours. Et puis, il y a des périodes où il y avait des grandes pauses, qui d'ailleurs me faisaient beaucoup de bien. Ouais. Et j'ai mis un bon bout de temps, et c'est un grand combat pour l'arrêter. Parce qu'on en rêve toujours, et si on appelle notre dealer avec un téléphone jaune, dès qu'on voit le téléphone jaune, on pense à coquille. Dès qu'on rentre une telle personne, avec lui je l'ai fait, et l'envie revient. Ouais. Donc ça a été un long combat. Il y a encore des nuits où j'en rêve. Hein. Ouais. Je ne le ferai plus, mais... Et vous aviez l'argent pour acheter ça? Ben, y a toujours des potes qui offrent. C'est facile à offrir à une fille parce qu'après, on pense pouvoir faire quelque chose. Mais pour moi, ça me rend complètement frigide. C'est carrément impossible. Ça vous rend frigide? Oui, c'est dommage pour les mecs qui payent. Tant pis pour lui. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque, Hollywood, le film X. Ce que je regrette, je pense, c'est que ça a ouvert certaines portes. Mais ça en a fermé plein d'autres, parce que comme en France, surtout en France, on a un X tatoué sur le front, j'ai tellement envie de faire des émissions de télé sur l'écologie, sur des trucs ludiques et machin, et quelque part, cette image m'empêche de le faire, quoi. Mais regretter tout ça, non, je me suis amusée, c'est une page qui est tournée, on en commence une autre tous les jours. Très bien. Vous avez de la rancune contre certaines personnes de l'époque? J'aurais pu en avoir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait beaucoup de mal. Et avec du recul, j'ai dit, ça m'a énormément aidée à évoluer et à travailler sur moi. Donc maintenant, ces mêmes personnes-là, j'ai dit merci. Qui vous a fait du mal? J'ai eu un manager, par exemple, qui m'a vraiment posé des gros problèmes avec l'État, qui m'a complètement arnaquée, qui... Voilà, quoi. Plus que l'aspect financier, c'était mon deuxième père. Donc c'était une trahison qui m'a beaucoup, beaucoup blessée. Mais ça m'a fait grandir énormément aussi. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Bravo, c'est complètement ça. C'est de Nietzsche, c'est pas de moi. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Faire trop vite confiance aux gens. Ouais. Mais sur le plan de la carrière, vous feriez la même chose? C'est-à-dire le White au départ, les films X. Ben, je ne peux pas m'imaginer ne pas l'avoir fait, parce que si je ne l'aurais pas fait, je ne serais pas ici aujourd'hui dans la chaise avec toi, tu vois, déjà. Ouais. Donc, comme là, je suis bien. Ouais. Oui. Oui. Pourquoi pas? Je ne regrette pas ça, non. Et le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? I did it my way. Ah. Tiens. C'est très bien. Merci, Zara. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.